Des voitures de collection par milliers ou par des expositions, les passionnés qui viennent parfois de toute la France en prennent plein les yeux. Il y a des voitures très prestigieuses, évidemment, qu'on se dit « oh, ce sont de très belles autos qu'on voit qu'occasionnellement, voire exceptionnellement ». Et puis des voitures qui sont beaucoup plus abordables et qui sont des voitures qui ont toujours fait rêver telle ou telle personne. Quelqu'un avait son grand-père qui avait une voiture, une vieille Citroën ou une vieille Simca. Et puis vous avez des gens qui, tout simplement, quand ils étaient gamins, avaient la petite Dinky Toys et qui rêvent devant une voiture qui était la leur. Mais ils l'ont eu un petit et puis peut-être qu'un jour ils l'auront à échelle 1, voilà, tout simplement. Et cette année, le Motor Festival rend hommage à la marque française Facel Vega, aujourd'hui disparue. C'est une exposition absolument unique puisqu'il y a tous les modèles qui sont représentés de la marque et qui est une marque française malheureusement disparue, mais qui est une marque de voiture très prestigieuse des années 50 au début des années 60. À Avignon, le tapis rouge se déroule jusqu'à dimanche pour ces véhicules d'exception.